Et yo tout le monde, c'est Zelvot. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo rapide de news sur Fortnite. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir sur le gameplay et comme certains gros youtubeurs l'ont déjà montré, la tête de tomate de Tomato est revenue. Elle est revenue un peu différente. Donc sur la vidéo, on voit qu'elle revient un peu cramée. C'est peut-être un indice pour la prochaine saison. Peut-être que ça sera sur la prochaine saison sera autour de l'élément feu. On peut le penser parce que dans le monde sur le monde, on a déjà des armes qui peuvent rythmer avec des éléments tels que feu, glace, etc. Et vu que la tête revient quand même, elle a un aspect cramé. Donc ça pourrait laisser penser ça quand même. Donc voilà, donc. Perso, dites-moi vos avis dessus. Moi, je pense que c'est une bonne indice. Ou alors, justement, on a vu que ça serait sûrement un ninja pour le skin road trip, mais peut-être du coup que ça serait un ninja avec un élément de feu, enfin autour du feu. C'est possible aussi. Ça reste un indice comme un autre. Faut associer ça aux différents éléments qui se passeront dans les prochains jours, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours sur Fortnite. Bon, et du coup, deuxième news. Donc c'est que pour la saison prochaine, sûrement la saison prochaine, je pense pas qu'ils le mettent avant la saison prochaine, mais un Américain a trouvé dans les codes du jeu différents consommables pour booster ou multiplier sa vitesse actuelle. Donc je vous mets le premier screen déjà du code. Donc dans le code qu'il a trouvé, envoie défaut de foragate item. Donc speed boost chili pepper, duration le nombre. Donc ça variera selon l'objet que c'est. Et speed boost chili pepper, speed multiplier. Donc quelque chose qui donnerait soit un boost, soit qui multiplierait la vitesse actuelle. Donc c'est un peu pareil, sauf si on a déjà boosté et qu'on prend un multiplier, on ira encore deux fois plus vite. Donc voilà, donc je vais passer au deuxième screen, parce que le deuxième screen ça correspondrait donc à quelle apparence auraient ces objets, parce qu'au final ça nous intéresse aussi. Donc voilà, je vous mets les screens. Donc on aurait en premier ce qui ressemble à une bouteille de sauce piquante, parce qu'on voit un piment dessiné dessus. Voilà, un burger et une boisson tout simplement, mais avec la tête de burger dessus. Donc ça peut laisser penser qu'on trouverait ça principalement dans les villes, vers les snacks, par exemple aux tacos de Tilted ou au burger de Pleasant, ou alors à la tomate justement de Tomato. Ça pourrait nous laisser penser qu'on trouverait ces objets donc qui multiplient la vitesse uniquement dans ces endroits là. Pour moi ça me paraît très logique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, bien sûr, c'est important. Et du coup bah ça sera tout pour cette nouvelle vidéo. C'était une vidéo rapide, mais pour vous apporter un peu les news donc qu'il y aura dans les prochains jours de Fortnite, ou pour la prochaine saison tout simplement, je pense. Et du coup bah si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, ça me ferait également très plaisir, et commenter cette vidéo pour me dire bah, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi la tête est revenue différente, toute petite et cramée, et aussi ce que vous pensez donc des futurs consommables qui boosteront la vitesse. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un avantage, un désavantage? Faut voir ce que ça apporte en jeu directement, et qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va changer le jeu. Après ça dépend aussi comment ça multiplie la vitesse, ça, on n'a pas encore d'indice dessus, mais je pense que ça peut, il y a moyen que ça multiplie quand même pas mal, parce que si on peut multiplier et booster la vitesse, si on prenait par exemple, imaginons que le sandwich il booste, on prend le sandwich et que le piment il multiplie, on prend le piment en arrière, on ira 4 fois plus vite que ce qu'on est censé aller, donc ça serait vraiment cheaté. Après, à voir combien de temps ça dure aussi. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.